théâtre. Les messes célébrées ce dimanche en France auront une tonalité particulière. La communauté musulmane est invitée à se joindre aux fidèles catholiques un peu partout, 5 jours après l'assassinat d'un prêtre de 86 ans par 2 djihadistes dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen. Dès samedi soir, quelques 150 fidèles catholiques se sont retrouvés dans la petite église où s'est déroulée l'attaque et ont été rejoints par quelques musulmans pour rendre à nouveau hommage au père Jacques Hamel. Le curé a rappelé que des liens de fraternité existent déjà de longue date entre les deux religions. D'autres veillées interreligieuses se sont tenues un peu partout en France.